Premier exercice, l'extrémité d'un pendule de 20 cm de long décrit un arc de cercle de 8 cm de longueur. Quel est l'angle décrit au cours d'une oscillation du pendule? Quelle est l'aire du secteur ainsi décrit? Donc, bien sûr, nous représentons la situation. Donc, il y a un pendule qui oscille comme ça. Voilà, une oscillation. On peut imaginer le pendule qui oscille dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, etc. Le pendule fait 20 cm de long et décrit un arc de cercle de 8 cm de longueur, c'est-à-dire qu'ici, l'arc de cercle fait 8 cm. Quel est l'angle décrit? Donc ici, nous cherchons l'angle alpha. Donc, premier exercice, où nous savons que l'angle proportionnellement à un angle qui ferait un tour complet, donc en degrés 360 degrés, est égal à la longueur de l'arc L, donc ici L en rouge serait égal à cette longueur-là par rapport à la longueur complète du cercle, à savoir le périmètre du cercle, 2 fois pi fois le rayon, sachant bien sûr que le rayon ici est égal à 20 cm. Donc je peux écrire alpha sur 360 est égal à L8 sur 2 pi fois 20, c'est-à-dire alpha fois 2 fois pi fois 20 est égal à 8 fois 360, ou encore alpha est égal à 8 fois 360 sur 2 fois pi fois 20. Je peux faire quelques simplifications. Donc 8 et 2, il me reste 4. Et puis 10 et 10, 36 et 2, il reste 18. Donc finalement, il me reste 4 fois 18, c'est-à-dire 72 sur pi. Soit en utilisant la calculatrice, environ 22,9 degrés. Deuxième exercice, quelle est l'aire du secteur ainsi décrit? Donc l'aire du secteur est l'aire qui est ici. Alors cette fois, nous pouvons dire que nous connaissons les relations entre la proportion d'angle parcouru par rapport à l'angle total, qui est égale à la longueur d'arc parcouru par rapport à la longueur totale. Donc le périmètre du cercle est égal à l'aire du secteur par rapport à l'aire du cercle. Donc je peux travailler, puisque je cherche maintenant à calculer l'aire qui est ici, je peux travailler par exemple avec cette égalité qui va me dire que A sur pi fois R, toujours 20 au carré, le rayon est égal à la longueur 8 sur 2 fois pi fois 20, c'est-à-dire l'R fois 2 pi fois 20 est égal à 8 fois pi fois 20 au carré, soit je peux simplifier ici le pi avec le pi, le 20 le carré avec 20 et le 2 avec 8. Il me reste donc A est égal à 4 fois 20, soit 80 cm
carré.